Yo tout le monde, c'est GhostKiller01, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost. Donc on se retrouve sur la map Freefall. Donc c'est une grosse map à carnage. Donc là c'est un, je vous l'annonce direct, c'est un petit spawn trap en domination. Donc ça c'est rare, spawn trap en domination. Bon, parlons de spawn trap alors, comme j'ai dit dans le titre. Donc on va aborder le sujet directement là. Donc pour moi le spawn trap, c'est pas parce que je fais du spawn trap que c'est bien, c'est faut continuer à faire ça. Non, c'est juste que j'avais envie de taper 2-3 records et puis après arrêter. Donc là j'ai vraiment plus envie de faire vraiment du spawn trap, c'est, je trouve ça un truc de porn. Quand on regarde comment je penche comme ça, que c'est quasiment impossible de me tuer derrière ma petite bordure et que je vois les ennemis réapparaître juste devant dans mon viseur. Et juste après bah tirer et puis vous avez la canne tranquille. Donc pour moi tout le monde aurait pu faire un record pareil, hein. C'est juste juste un peu d'entraînement et puis voilà. Donc c'est vraiment un truc de gros port le spawn trap. Donc après ça, j'avais envie de parler de mettre cette vidéo là pour vous parler de ce sujet là du spawn trap. Donc je voulais savoir, vous mettrez dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez pareil que moi que le spawn trap c'est vraiment dégueulasse. Donc voilà, je veux toutes vos impressions, tout comme ça et tout. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire une vidéo sur ce sujet là. Donc là c'est avec, je vous annonce direct, c'est avec la dernière vidéo de spawn trap sur ma chaîne. Après, enfin elle avait eu la petite KM Express en faisant ça, dans la même map et tout, en 43 secondes, en faisant du spawn trap dans ce camp là et tout. Donc c'était vraiment un truc dégueulasse et tout. Mais bon, c'était juste pour l'histoire de faire 2-3 records et tout. C'est un peu par exemple comme la chaîne de Birdman, je sais pas si vous connaissez Birdman, B-I-R-D-Man après. Donc ça, je suis pas allé voir sa chaîne, vous verrez, c'est que du spawn trap pareil, là du free fall, des trucs comme ça. Franchement, c'est tant mieux pour lui si ça marche et tout, mais moi je n'aime pas du tout ce genre de comment dire, de spawn trap, de kill et tout comme ça, de partie. Donc après le spawn kill ça passe vraiment, ça par contre c'est moins dégueulasse on va dire, même si les ennemis a le temps de peut-être de bouger peut-être plus longtemps on va dire, et il a beaucoup plus de chances de vous tuer. En tout cas c'est pas pareil que du spawn trap où là il est dans votre viseur, il a juste il appuie sur carré après la kill cam, bim hop il est mort, hein. Donc il peut vraiment rien faire à part si un tas d'ennemis arrive sur moi d'un coup et là c'est toi qui peux rien faire. Peut pas s'ils par exemple là ils apparaissent à droite et à gauche de ce truc là de la petit mur comme ça, du coup bah s'ils apparaissent des deux côtés en même temps, bah, là c'est là à ce moment là où je suis baisé quoi, et je peux pas continuer ma série, je suis obligé de mourir. Après là, les gens aussi qui jouent avec le i qui te mettent ça au top et tout parce qu'ils en ont marre, mais ça je les comprends vraiment, ou ils jouent avec performante pour me niquer, ça c'est normal, franchement je les comprends, au bout d'un moment ça doit faire rager, c'est normal. Donc franchement, écoutez-moi, essayez pas de faire ce petit spawn et tout, là c'est juste l'histoire de taper un petit world record, enfin deux petits world records, la Game Express et le record de kill là qui est actuellement cette partie. Donc c'est pas vraiment un record de kill en domination, mais c'est le record sur PS4 en tout cas. Et, comme je suis l'un des seuls joueurs youtubeurs sur PS4 pour le moment, ils sont soit tous sur l'Xbox One, Xbox 360 ou surtout PS4. Donc je suis un peu l'un des seuls, à part Monsieur Toto que j'ai rencontré dans une partie la dernière fois, que j'ai fait 2-3 games avec lui et je l'ai aidé à réaliser son défi, faire une KEM. Ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas fait une. Donc voilà. Donc allez voir sa chaîne aussi, voilà, je fais un peu de pub aussi. Donc voilà. Donc aussi pour les gens qui essayent de faire du spawn trap et tenter world record et tout et qu'ils veulent mettre par exemple sur QG, comme moi j'avais essayé de faire, n'essayez surtout pas. De toute façon QG vous répondront qu'ils prennent pas les vidéos de spawn trap, comme ça les intéresse pas. Donc voilà pour la petite histoire. Donc bon, moi qui avais essayé de m'upload, donc c'est tombé à l'eau on va dire. Donc voilà, donc là vous pouvez voir que j'enchaîne assez vite mes spécialistes, c'est assez normal. Donc après si vous voulez faire ça vraiment, enfin je vous le déconseille parce que c'est vraiment un truc de gros peur, vous allez vous faire insulter de tous les noms. Donc sinon je vous conseille de prendre la M27, comme ça vous mettez grande cap avec moi je mets même pas la poignée, je crois que je mets, ah oui le truc pour mettre faire plus de dégâts là, frein de bouche je crois que ça s'appelle, voilà. Et de toute façon elle a pas besoin de poignée parce qu'elle est vraiment, elle monte pas du tout cette arme là. Et après comme c'est l'une des
on va dire mitrailleuse qui a le plus de balles, donc j'ai pris celle-là et qui est la plus stable. Après elle a la LSAT mais elle a un tir trop, elle tue beaucoup plus vite que celle-là, mais l'inconvénient c'est qu'elle a pas assez de balles après parce que là son tir rapide ça fait ça décoince toutes les faces, ça enlève toutes les balles du chargeur en genre en 30 secondes. Ben, ça, je vous laisse tomber direct puisque vous arrivez à 16, puis là bah, vous avez déjà plus de balles, faut vous recharger et puis vous mourrez. Donc voilà, donc là au passage je viens de débloquer ma deuxième KM je crois. Donc là, elle avait Waredi avec moi, là, vous pouvez voir aussi qu'il a essayé de me piquer 2-3 fois mon spawn. Et je pense que c'est pas pour dire que c'est de sa faute, mais presque quoi, que j'ai pas tapé le plus de 200, donc c'est dommage. J'ai jamais tapé un plus de 200 sur tous les Call of, j'avais tapé, bah, je crois que ça c'est mon record, ça sur tout Call of confondu, 78 kills, mais bon, c'est un truc de fort. Bah, après, vous pourrez dire aussi que dans Black Ops 2, quand vous avez les hélicos et tout qui bombardent leur camp, avec les ADAV et les. L'Octsar, ça c'est aussi un peu, c'est comme si vous faisiez un peu de spawn trap aussi, parce que les ennemis y réapparaissent, des fois ils ont même pas le temps de vivre que vous avez déjà tué, donc c'est pareil, sauf que là vous êtes plus dans votre camp et vous avez moins de chances de vous faire buter, l'hélico a plus de chances de se faire buter que vous en tout cas. Donc voilà, donc ceux qui ont essayé de comparer du spawn trap à ça, donc voilà, vous pouvez vous dire que c'est même limite moins cheaté de faire ça que faire avec l'hélico. Après si là le temps d'avoir l'hélico, mais ça c'est pas bien dur, donc voilà. Donc après bah dans mes classes je mettais tout pour aller plus vite aussi, je mettais tracker, poids léger, fin prête et as de la gâchette avec concentration, tout c'est important. Et après bah je mettais en premier atout œil de lynx pour faire plus de dégâts direct au spawn et mettre moins de balles. Voilà, petite triple, là j'ai esquivé, je fais le tour. Je vous décris un petit peu le truc parce que là, c'était vraiment beau. Après, vous mettez USI pour regagner votre vie plus rapidement quand vous enchaînez, par exemple, si on vous one à chaque fois que le nain y réapparaît. Donc, ça c'est vraiment pratique aussi. Donc, après, une fois que vous avez débloqué ça, bah, tout devient plus facile. Parce qu'après, vous mettez pour combler les trous en fait, vous mettez des petits atouts pour combler les trous, genre bouclier anti-explosion, je sais pas, reconnaissance pour c'est parce que vos alliés des fois ils jouent. Lance-grenade pour essayer de les buter quand ils apparaissent à ma gauche là, si vous voulez, voilà. Comme par hasard. Donc voilà, bah là je vais lancer toutes mes KVM parce qu'on va arriver à la fin. Donc pour essayer de combler les trous, faire le maximum de kills. Donc des fois aussi quand je fais des tentatives plus de 100, bah, j'ai réussi souvent d'ailleurs, mais en spawn kill parce que je fais plus jamais de spawn trap maintenant. Et des fois j'oublie de lancer mes KVM à la fin, donc des fois j'oublie de. Ça m'enlève des kills. Donc voilà, et je voulais avant là que ça se finisse cette partie, je voulais vous dire si ça vous intéresserait un petit défi, enfin une nouvelle playlist sur ma chaîne, ce sera s'intitulera en fait plus de 100 dans toutes les maps. Je sais pas, je pense que ça pourrait vraiment vous intéresser. Donc je vous ferai ça. Déjà j'ai plusieurs maps, j'ai Strike Zone, Sovereign. J'ai Free Fall, mais pas. Je l'ai même 3 ou 4 fois sans spawn trap, en spawn kill. Donc je vous mettrai ça. Je vous mettrai pas celle en spawn trap, je pense que c'est vraiment un truc de gros port. Donc voilà, donc la vidéo va se toucher à sa fin. Donc là, je vais juste attendre qu'on voit le score final. C'est-à-dire, parce que là, on peut pas dépasser plus de 99 kills. Parce que le compteur il bloque. Après, donc là, je vais aller dans le menu du jeu, faire. Le bouton select sur PS3 ou le bouton le pavé sur PS3 puis dessus sur PS4 et puis regardez en faisant flèche de droite tout à fond, regardez mon nombre de kills, donc la partie, alors on pourra voir. Donc voilà, 178 kills pour 18. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo, donc je vous souhaite une bonne journée, allez ciao.